Alors là, ça commence à bien faire parce que là, ils m'ont recoupé une troisième fois. Hein. J'ai pas le droit de parler, moi. Bah voyons. Ah, votre appareil n'est pas porté d'appel. Vas-y, qu'ils aient se faire enfoirer, bande de naze. Hein. Ils font chier, là. C'est une vidéo sur YouTube et ils me font chier. Hein, ils ont bloqué ta vidéo, Rabi. Je m'en fous, je vais les mettre tous les morceaux que j'ai mis. Je vais les mettre. Oui, ils t'ont bloqué ta vidéo. Parce que j'ai eu le temps quand même de t'écrire entre deux ce matin, là. Le temps de remettre tous mes appareils en route pour la wifi de mon téléphone. Hein? Ils te l'ont bloqué pour droit d'auteur, soi-disant, pour qu'il y avait des morceaux de toute de la France. Vas-y. J'en ai marre, moi, qu'on me coupe, moi, pendant que je fais ma vidéo. Hein? Ça veut dire, ça. Vous pouvez pas. C'est pas un appel que je passe, là. Et vous pouvez pas faire d'appel, nanani, nanana. C'est pas un appel que je fais, c'est une vidéo, ça n'a rien à voir. Bande de trous du cul. Hein. Vous savez pas quoi faire pour faire chier le monde. Ah bah oui, comme dès qu'on dit des vérités, ça vous fait chier. Oui, Rabbi, ils t'ont bloqué ta vidéo et ils ont bloqué les dialogues dessous, comme ça on peut plus t'écrire. Donc j'ai envoyé un message sur Twitter et puis je fais une vidéo sur YouTube. Ils font chier quoi, vas-y. Oui, ils t'ont bloqué, soi-disant, ils trouvent toujours quelque chose pour te casser les noisettes. Hein, pour être poli. Non mais oh. Ah bah oui, la vérité, ça fait chier. Ouais, ils t'ont bloqué. Donc on peut plus t'écrire sous ta vidéo et on peut plus regarder la vidéo. Malédiction va tomber sur vous, je vous le dis. Puis vous allez apprendre la spatule dans la gueule, je vous le dis, vas-y. Hein, je serais contente de participer, tiens, pour vous en mettre une bonne spatule dans la gueule. Et je dis pas ça en colère ni quoi que ce soit, c'est de la justice. C'est justice que de reprendre ce qu'on nous a volé. Ouais. Bande de cons, là. Bah, vous voulez votre monde de robots, tout ça? Ouais, vas-y, le robot, il va vous enculer. Vos robots, ils vont vous enculer. Voilà, hein, en parlant poliment. Voilà, vous allez vous faire baiser par vos propres robots parce que vous voulez faire des robots pour baiser avec. Hein? Eh ben, vous allez voir. Ouais. Parce qu'un robot, hein, comme c'est décraqué, ça peut vous arracher la tête, hein, ça a une force surhumaine, ça, ces trucs-là. Hein. De cons, là. C'est ce qu'ils veulent, un monde. Pfff. De naze. Des cinglés, vous êtes tous des cinglés de perversité, faut voir. Hein. Tout ce qu'on voit, ah, dis donc. C'est pire que Sodome et Gomorre, c'est pire que. Tout ce qu'il a pu avoir auparavant. De toute façon, c'était écrit. Hein. De toute façon, évidemment, tout doit s'accomplir. Hein. Ce qui paraît, vous avez mis 9 jours pour descendre de là, vous casser la gueule d'en haut. Ah bah merde. Bon, la chute a duré longtemps, hein. 9 jours. Ah la vache. Ah, c'est sûr que vous ne deviez pas être en bon état quand vous êtes atterri. Hein. Ouais. La vache. Si je me rappelle bien, hein, parce que je lis tout, hein. Ouais. Là, c'est marrant, hein. Ah, la chute était longue. Hein. Oh, vous avez dû vous faire chier, disons, pendant ce temps-là, hein. Ouais, j'ai besoin de me défouler un petit peu, vas-y. Ouais. Tout ce qui est contre Jésus, de toute façon, moi, je dis des vérités, c'est tout, hein. Vous êtes contre Jésus, mais... Vous faire chier, vous faites, hein. Votre monde. Votre monde, c'est juste un monde d'enfer. Ouais. C'est ça que vous voulez faire, l'enfer. Bah, vous aimez tellement l'enfer que vous allez finir dans la GN, c'est tout, hein. Ouais. En tout cas, vous êtes des pourris d'avoir coupé la vidéo. Ouais, YouTube, vous allez vous en prendre plein les gars, je vous dis, vous allez payer vos saloperies. Parce que c'est pas justifié ce que vous faites. C'est des fausses excuses pour emmerder. Oh ben les filles qui se font enculer par un chien sur YouTube, oh, ça passe, hein, parce que j'en ai vu, hein, hein, qu'on m'envoyait des vidéos, là, vas-y. Même de YouTube, hein, ou des photos suggestives. On voyait quand même la fille à quatre pattes avec le chien, hein, ouais.
Mais ça, vous coupez pas, ça. Ah bah non, on vous coupez pas. Bah non, tant qu'on fait des saloperies, c'est bon. Parce que c'est le monde à l'envers. Hein? Ouais, le coup de gueule, je le fais, le coup de gueule. Par contre, les gens qui font des vidéos pour faire des vérités, ah bah là, non, non, ça, faut pas. Hein? Ah bah non, faut tout enlever. Faut enlever Jésus, faut enlever Dieu, faut enlever tout. Les religions, faut enlever tout. Hein? Ouais. Puis vous, alors, il faut pas vous enlever, peut-être? Lol. Ouais, je crois qu'il y a un sacré problème, hein. Et il va y avoir un sacré nettoyage. Ne vous inquiétez pas, va. Ouais, Dieu va s'occuper de tout, avec son fils. La vache. Je suis bien content qu'on est arrivé au bout, ouais. Je suis bien content qu'on est arrivé au bout. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez gagner? Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas, ouais. C'est sûr que vous savez pas jouer aux échecs, hein. C'est pas vous le maître, hein, je vous le dis, hein. C'est pas vous les maîtres et le maître, hein. Vous n'êtes pas Dieu. Oh merde, j'ai même pas mon micro. Ouais, puis en plus là ça marche, puis j'ai pas mon micro, putain de merde. Ah ouais, je suis remonté. Je sais même pas si ça a marché. Putain de merde, j'ai pas mis le micro. Hein, alors que là ça marche là. Bordel de merde. Ah oui, là, vous m'avez mis un petit peu en colère, mais ça va redescendre, là, oui. Mais c'est pas une colère méchante, hein. C'est une colère sainte. Une sainte, ouais. Hein, d'emmerder mon rabbi comme vous faites. Ouais. Tout le temps, là, vas-y. Hein? Je sais bien, vous êtes tout le temps en train de trouver un prétexte pour y couper ses vidéos et tout ça, ouais. Des excuses à la con. Bientôt, comme on dira le mot merde dans une vidéo, on sera censuré rien que pour dire merde ou enculé ou tout ça. Au remède que vous aimiez ça, remarquez. Moi j'en dis, moi c'est pour vous faire chier. Mais de toute façon, hein. Si, elle est bonne celle-là. Je sais même pas si tout va être bien, j'en sais rien. Hein, on m'a coupé 3-4 coups là comme j'ai fait la vidéo. Alors Rabbi, je sais même pas si ça s'entend ce que j'ai dit. Ils t'ont coupé ta vidéo, ils ont coupé les dialogues, donc on ne peut plus communiquer sur cette dernière vidéo que tu as fait. Voilà, sous prétexte que y a des extraits de films de la télé française dessus. Voilà. Voilà pourquoi. Je pense que c'est ça qu'ils ont marqué de mémoire parce que j'ai lu la ligne qui était marquée dessus. Voilà. Cette vidéo a été. Voilà. Oh, le prétexte qu'ils ont pris, ah bah oui. Hein. Non, ça c'est un faux prétexte. J'ai eu le temps, ils l'ont fait il y a quelques minutes, quoi. Quelques minutes après que je t'ai répondu pour la musique que tu me demandais quelle musique j'écoutais, voilà. Là je redis les choses parce que comme la vidéo, comme j'avais pas mon micro, ben c'est sûr qu'on n'a pas dû bien m'entendre. Donc je répète. Donc, il va falloir qu'on communique sur une autre vidéo. Hein, enfin, moi, de toute façon, je t'ai écrit sur Twitter, je t'ai expliqué, et puis là, tu fais la vidéo. Elle va pas être top, mais c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que, voilà. Ah, ça, c'est vraiment des ordures, quoi. Il y a pas de nom, des vipères. Ouais, allez tous brûler en enfer, vas-y. Il y en a marre. Hein, bande de vipères. Lol. On doit pas souhaiter du mal à son prochain, mais vous n'êtes pas mes prochains. Vous avez du sang de vipère dans vous. C'est pas mon sang, ça. Hein? Hein? Je descends pas de Cain. Oui, c'est ça, c'est Cain qui a tué Abel. Ouais, Cain a tué Abel, ouais. Lui, il avait le sang de Lucifer dans lui. Il a tué Abel parce qu'il était jaloux, ouais. Après, il y a eu 7 en cadeau. Voilà. Ouais. Oh, je peux la raconter par cœur, l'histoire. Je connais toute l'histoire par cœur. Hein, toute l'histoire de l'humanité. Hein. Vu que tout ce qu'on m'a montré, en plus, hein, vas-y. Hein, j'ai tout vu. Hein. C'est impressionnant quand même de voir tout, comment ça a été créé, et comment que ça fonctionne. Enfin, en une minute, tu vois tout. Et tu comprends tout. C'est génial. Ce qu'on m'a permis de voir à travers tes yeux à toi ou celui du Père, j'ai vu, c'est tout. J'ai vu ce que je devais voir, c'est tout.
Et ça, c'était wow. Ouais, c'était grandiose. En plus, la vision que j'ai eue, qu'avec les écrits devant mes yeux, tu étais devant une table et moi, j'étais dans tes yeux, quoi. Je voyais ce que tu avais écrit, mais c'était en français pour que je puisse comprendre. Ah, c'était génial aussi, cette vision. Et puis, je voyais les écrits et je lisais. Et je comprenais tout. Puis c'est là que j'ai eu aussi la compréhension de tout. Ouais, c'est génial. Oh, je pourrais en faire une vidéo de discuter toutes les visions et puis tous les trucs qu'on m'a montrés. Ouais, puis j'en ai écrit pas mal aussi. Ouais, merci YouTube d'avoir coupé la vidéo de mon rabbi. Ouais, merci, ouais. Hein? Vous inquiétez pas, ouais, vous allez avoir votre part. Ouais. Parce que la monnaie, vous allez devoir payer pour tout ça. Ouais. Putain de merde, ouais, vas-y. Papa, pardonne-moi tous les gros mots, mais de toute façon, tu sais très bien que c'est pas méchant. C'est une façon de m'exprimer, voilà. C'est ma façon, quoi. Ouais, ma façon de Xena, la guerrière, vas-y. Eh! À la vache! Hein? C'était bien mon surnom de gameuse. Oh, je me suis appelé Coco, je me suis appelé plein de noms, hein, Dodo. Ou... Qu'est-ce que j'ai pas eu comme nom dans mes jeux vidéo quand je jouais? Hein? Ouais, c'était marrant. Hein. J'ai passé 30 ans dans ma vie à faire du jeu vidéo. Ouais. La vache. Ah ouais, j'ai connu la toute première console de jeu, Nintendo. Je l'ai connue, hein, la toute première. La vache. C'était bon vieux temps, ça, on s'éclatait bien, la vache. Enfin, je me comprends, dans les jeux vidéo, ils étaient plus durs que maintenant. Ouais. Tu mourais, c'était terminé, il fallait recommencer. Ouais. Disons que je suis une dinosaure des jeux vidéo. Ouais. Bon, bah, je vais arrêter de raconter des conneries hein, maintenant. Et puis je m'arrête là. Vous perdez rien pour attendre, vous tous, là, qui faites chier Jésus. Parce que de toute façon, il va bientôt revenir dans son corps de gloire et tout ça, là. Eh, vous inquiétez pas, bah. Il va faire un bon petit nettoyage. Et puis voilà, on sera débarrassé de tout ça. Vas-y. Parce que comme il y en a marre, il y en a marre. Hein. Il y a un moment donné où, vas-y. Hein. En tout cas, merci, hein, parce qu'on a quand même eu 7 ans de plus pour pouvoir sauver des gens. Ouais. On a eu une allonge de 7 ans. Normalement, en 2012, ça aurait dû être terminé. Hein? Mais il fallait sauver encore d'autres brebis. Ouais. Alors, merci. Moi, je dis merci au Père et à Jésus. Et puis, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Je dirai ce que j'ai à dire et je fermerai jamais ma gueule. Puisque Gilles dit que j'ai une gueule, mais j'ai pas une gueule, j'ai une bouche comme tout le monde. Mais bon, ouais. Je fermerai toujours ma bouche. Je fermerai pas ma bouche. Pardon. Pardon. Ouais. Ma bouche, je la fermerai pas, même dans la mort. Je continuerai à prêcher et à dire la vérité. Même dans la mort. Voilà. Si on peut appeler ça la mort, parce qu'une fois qu'on est mort, on est libéré. Ouais. Je continuerai toujours. Si vous croyez que même en me tuant, si on venait de me tuer, ça changerait quelque chose, non. Je resterai fidèle, loyal, j'ai toujours été et je serai toujours. Et je vous emmerde tous ceux qui sont... Je vous emmerde, vous les menteurs, les vipères et tout ça, j'en ai rien à foutre et vous ne me faites pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur de vous. J'en ai croisé des anges là, des angels, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils ont. Hein, parce qu'ils savent qui je suis, ils savent où je suis, et vous êtes partout dans le monde. Hein, un coup de biphone, et vous savez où je suis, vous savez où j'habite, et vous savez où je vais, et je vous ai rencontré, et j'en ai rien à foutre. J'ai des oreilles et des yeux pour voir, et j'entends. Voilà. Si vous croyez que vous me faites peur, non. Vos petites intimidations que vous avez faites, là, franchement. Vous pouvez vous la carrer dans le cul, je vous le dis. Puis bien profond, hein. Ouais, petit message, ouais.